Bonjour. Quand j'ai reçu la partition de cette Sicilienne, je me suis vraiment posé la question, mais de qui parle-t-on? Parce que est-ce qu'on parle de Vivaldi, de Jean-Sébastien Bach ou d'Alexandre Tarot? Parce que c'est quand même une histoire assez rigolote. On prend un concerto pour deux violons, écrit par Vivaldi, que Jean-Sébastien Bach connaît, et décide de transcrire pour orgue. Et puis finalement, Alexandre Tarot, qui est un cher ami avec qui nous avons fait ensemble plusieurs fois des concerts à deux pianos, j'aime beaucoup, a transcrit lui-même pour piano. C'est une pièce très évocative, très poétique, avec deux plans bien clairs. Et je vais vous les montrer tout de suite. Je vous ai parlé de deux parties bien définies. En cela, ce que je veux dire, c'est que vous avez au départ deux mesures et demie d'introduction, ensuite la Sicilienne elle-même avec la ligne vocale, la ligne instrumentale. C'est là où on ne sait plus trop ce qu'il faut dire. Enfin bon, c'était pour deux violons, ensuite pour orgue, et maintenant c'est pour piano. Et le retour de l'introduction, qui sert dans ce cas-là de coda. Et quand je parle de deux parties bien définies, je pense que ça doit s'appliquer aussi au type de son que vous allez chercher à obtenir. Je m'explique. Au départ, je suppose que c'est Alexandre Tarot qui a écrit l'indication mezzo piano legato. Donc, le départ un peu, enfin, pas piano, pas pianissimo, pas forte évidemment, mais juste quand même une sonorité un peu ouverte, comme ça. Le timbre que vous devez obtenir sur ce La, Sol, Fa, Fa, marqué en dehors, c'est vraiment super timbré. Et l'accompagnement, les petites croches là, très piano. Tout est fait vraiment pour que l'oreille de l'auditeur se concentre sur ce thème ici. Voilà. Quand vous arrivez vers la fin, après une cantilène un peu. Reprenez la même sonorité que vous avez au début. Alors, moi, mon petit truc que je vous propose, c'est pour ces deux mesures et demie d'introduction qui sont également la coda, les deux mesures et demie de coda qui sont exactement pareilles que l'introduction. Pas de sourdine. Et là, diminuez et mettez la sourdine et super timbré ici. Bon, si c'est trop grand pour vous, parce que c'est une dixième, mais concentrez-vous au maximum sur votre 5 pour obtenir la sonorité en dehors tout en restant en même temps avec ce pianissimo. C'est très compliqué finalement à faire, c'est un peu deux indications contraires.
pour ça que je vous recommande de mettre la sourdine là, en timbrant au maximum sur votre la. Finalement, on a un peu l'impression que, alors je ne sais pas pour qui, est-ce que c'est pour Bach, est-ce que c'est pour Alexandre Tarot, tout ça, l'accompagnement n'est pas très important. Pianissimo, c'est juste. Et que toute l'attention de l'auditeur, de l'attention de l'oreille, doit être là-dessus. Petite remarque au plan, comment dire, historique ou musicologique, même si dans une transcription comme ça, on ne sait pas trop où la musicologie se situe, mais la plupart des trilles, des petites notes, toujours par le haut. C'est quand même plus expressif. Hein. Plutôt que... qui sonne toujours plus lourd et moins intéressant au plan expressif que d'avant. Également, si vous avez écouté mon enregistrement de la pièce, vous avez peut-être remarqué que j'ajoute des notes qui ne sont pas écrites sur la partition. C'est communément admis que, par exemple, pour lier un intervalle d'octave, on ajoute une petite gamme. Je vous donne l'exemple. Il s'agit de la mesure 11. Alors maintenant, avec la petite gamme, il y a d'autres endroits où vous pouvez en faire. La mesure d'après, la mesure 12. Avec la petite gamme, ça donne. Voilà. Pour reprendre ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est vrai que quand on regarde la partition de piano, la transcription donc d'Alexandre Tarot, j'ai presque envie de dire qu'on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Est-ce que c'est au saint orgue, au saint violon, puisque c'est l'original de Vivaldi, le concerto pour deux violons, ou le saint piano? Et quand je vous ai parlé justement d'essayer de trouver deux sonorités bien différentes, celle pour ces deux mesures et demie d'introduction que l'on retrouve à la fin en coda, et puis la partie centrale, la plus importante avec le chant, vous pouvez, bien entendu, vous pouvez essayer d'écouter des versions, soit l'original, vraiment, Vivaldi, et essayer de retrouver cette sonorité de violon, ou bien écouter la transcription, la première transcription qui a été faite, celle faite donc par Jean-Sébastien Bach pour orgue, mais là aussi vous allez entendre ces différences de registres et qui sont finalement peut-être la difficulté essentielle à résoudre quand vous voudrez jouer la pièce pour piano, c'est-à-dire essayer de retrouver des registres un peu particuliers. Et c'est à vous de choisir si, par exemple, vous voulez essayer de trouver plutôt une sonorité de violon ou une sonorité, je ne sais pas, de hautbois, par exemple, que l'orgue peut produire dans des différents registres ou quelque chose comme ça. C'est une pièce qui est une merveilleuse pièce à jouer, je crois, en bis. Arkady Volodos la joue très volontiers. Il y a des vidéos que j'ai vues de lui et c'est très prenant, c'est très, très beau. Les gens sont toujours assez pris vraiment par cette pièce. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette Sicilienne, qu'elle soit de Vivaldi, de Bach ou d'Alexandre Tarot. Vous aurez beaucoup de plaisir et bon courage.